Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 50e épisode de Foot Trotter. Et en France, en Ligue 1, enfin partout, c'est pas de la Ligue 1, mais en France, on ne pouvait pas tomber mieux que sur un Marseille-Paris Saint-Germain, un classique pour la Coupe de France, un match à élimination directe, un match avec beaucoup de tension forcément, surtout quand on connaît le nombre d'années. Ça fait longtemps que Marseille n'a pas gagné au Vélodrome face au Paris Saint-Germain. Ça va être exceptionnel. Donc je vous emmène avec moi, direction Marseille. Let's go. Et ben Marseille-Saint-Charles, on est bon, on est arrivé. Et là, ça va être magnifique. Il y a plein de maillots partout, il y a plein d'écharpes déjà de Marseille. Ça va être incroyable. Il est 18h30, on va aller à l'hôtel, déposer nos affaires. Bon, et bien arrivé à l'hôtel, on est bon. Franchement, celui-là, il n'y a pas de souci là-dessus, contrairement aux autres qu'on a eu déjà à Marseille, des Airbnb. Franchement, celui-là, topissime. Bon, c'est juste un peu champêtre parce qu'on est sous les combles, mais bon, après, c'est pas grave, ça fait l'affaire. Un petit lune place, hop, une petite penderie, tac, tac, un petit bureau. Et ensuite, une petite douche, toilette, tout ça, salle de bain. Et on est bon. C'est réglé, je crois que ça m'a coûté 50 euros. Ah oui, et je vous conseille de prendre aussi un hôtel qui est annulable. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à avoir de place, etc. avant, c'est pas grave, vous pouvez l'annuler. Parce que si vous achetez les places d'abord et pas genre l'hôtel avant, et ben après vous aurez des hôtels qui sont hors de prix, etc. Alors pour, si vous prenez un hôtel qui est annulable, ben, si vous n'avez pas les places, c'est pas grave, genre il est remboursé, etc. Mais au moins, vous êtes safe là-dessus. Et voilà, c'est ce que je vous conseille. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais c'est une petite astuce sur Marseille. Bon, le match est à 21h10. Il est 19h19. On va juste parler un tout petit peu de l'enjeu de ce match. Bon, c'est les huitièmes de finale. Donc, forcément, il y a une place en quart qui se joue. Mais c'est plus que ça. C'est un classique. C'est un classique au Vélodrome. Marseille n'a pas gagné depuis 10 ans. Donc voilà, c'est énorme. Là, franchement, la courbe s'est inversée. D'habitude, c'est Paris qui est en grande forme et Marseille un peu moins bien. Là, c'est l'inverse. Paris étant... Voilà, c'est vraiment ric-rac à chaque fois qu'ils gagnent des matchs ou autre. Là, Marseille, même s'ils ont perdu à Nice, franchement, je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient perdu face à Nice parce que ça les a remis un petit peu dans le droit chemin juste avant, justement, ce classique. En plus, il y a la fierté marseillaise derrière, donc ça va être énervé de fou. J'ai hâte. Guichet fermé, forcément, pour le Vélodrome, pour un classique. Comme ça, j'aurais pu faire le match de Ligue 1, mais j'ai préféré un classique parce que de Coupe de France, parce que tout simplement, il y a cette excitation de match à confrontation directe éliminatoire. Donc là, vraiment, c'est incroyable. Même si je vois le PSG gagner et que j'espère que ce soit l'OM qui gagne, bon, ça a bien fonctionné sur les deux derniers matchs qu'on a été voir, hein, parce que Bordeaux-Le Havre, je pensais que ça allait être Bordeaux qui allait gagner, et finalement, c'est Le Havre qui a gagné. Et j'étais pour Le Havre. Rennes-Lille, je pensais que ça allait être Rennes qui allait gagner. J'étais pour Lille et finalement, c'est Lille qui a gagné. Donc, voilà. Et en plus, c'est le 50e épisode des vlogs de Foot Trotter. Donc, je pense qu'il y a plein de signes qui réunissent que ça va être une belle soirée ce soir. Parce que là, déjà, les rues sont déjà vides. On sait déjà que tout le monde est au stade. Donc, ça va être incroyable. Et puis voilà, on se retrouve là-bas. Arrivé après la tempête, puisque dès 18h, ça foutait le bordel devant. Et au final, il n'y a plus rien. Ça sera dans le stade maintenant. Là, on est bien arrivé du côté Ghanais. Et on est bon, les amis. Bon, bah, je regardais la séance de pénalty de Lille face à Lyon. Et je serais jamais heureux après une séance de pénalty. Je chier, genre. Bon, j'espère que le Vélodrome et Marseille me remonteront le moral ce soir. On espère une victoire marseillaise, bien évidemment. Écoutez-moi ce boucan, l'entrée des Parisiens, on imagine forcément. Ça va être une dinguerie monumentale. Écoutez le bruit, frère. C'est dingue. C'est phénoménal. Et voilà les amis, nous voici, nous voilà. C'est blindé, c'est incroyable. Numéro 1, Chancel.
sais pas si vous reconnaissez, mais je me suis mis presque au même endroit que Marseille-Strasbourg. Je me suis dit, on retente l'endroit, peut-être que c'est cet endroit qui est magique. Alors que j'étais la dernière fois de l'autre côté pour Francfort, c'était totalement différent. On a mis toutes les chances de notre côté. Essayer d'emporter cette Coupe de France après avoir éliminé Paris derrière, c'est tout droit. Voilà, il restera plus que Lyon ou peut-être Lens, peut-être s'il se qualifie derrière, on ne sait pas encore, mais après c'est tout droit. Franchement, c'est réalisable si ça tape Paris ce soir. Oh là là.
crois que Neymar est Guendouzi. Oh, c'est un gros de fou. Allez, allez, allez! Oui, magnifique! Ah! Oh! 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 La dinguerie! Oh! La dinguerie! Oh! Oh! C'est tellement mérité! Avant la mi-temps, c'était chez vous. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps au stade Vélodrome partout. Bon, et ben on va retourner pour la deuxième mi-temps. En vrai, franchement, c'est dur. C'est dur pour l'OM parce que qui est-ce que c'est pas mérité? Putain, au moins, il devrait y avoir 2-0 à la mi-temps. Mais bon, voilà, c'est. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas s'en tirer parce que vraiment il y a beaucoup trop de chance du côté de Paris Saint-Germain. Même moi je suis même pas pour Marseille, je suis pour Lille, vous le savez, mais j'ai tellement envie que Marseille gagne. Genre là ça donne une mentalité de chien sur le terrain et tout. C'est trop bien. Genre vraiment ça se voit que les joueurs ils ont envie, ils mouillent le maillot pour le club. C'est magnifique. Ça
reprendre bien gentiment. Ils ont vraiment pas de solution. Comme s'il y avait un but, là. C'est le dingue. Oh là là. Des morts de faim. J'aime trop comment ils jouent. Il y a Paulo Lopez. Aïe. Oui, bonhomme. Encore. Oui. Oh!
hors-jeu. 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 Let's go. Cette place, elle est chanceuse. C'est masterclass sur masterclass en ce moment. Il y a tellement un soulagement sur le visage des gens, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Écoutez-moi la dinguerie, on dirait que la France a gagné la Coupe du Monde. C'est, je vous dis, hein, mais il n'y a que Marseille pour, comme ville comme ça, vraiment c'est une dinguerie, c'est phénoménal. Je vous jure que c'est le même vibe que Marseille-Strasbourg. Mais depuis le début du match, j'avais l'impression d'être dans les mêmes vibes. Et je savais qu'il allait se passer un truc de fou. Voilà, c'était mon intuition. Et moi, j'ai bien fait de venir. C'est le bagri. J'ai l'impression d'avoir gagné la troisième fois la Coupe du Monde. Putain.
c'est incroyable. Ah oui, c'est la fête. Tu m'étais. Et voilà les refs, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On a vraiment beaucoup de choses à aborder sur ce match, sur cette atmosphère. Franchement, voilà, on va parler déjà de l'ambiance. C'est la plus belle ambiance de toute ma vie que j'ai pu vivre. Vraiment, c'est une dinguerie. Je vous conseille fortement d'aller faire un classique au Vélodrome, surtout quand ça se passe dans ce genre de conditions. Voilà, mais vraiment, c'est une dinguerie monstrueuse. J'en ai eu mal à la tête en sortant du stade. C'était vraiment kiffant, franchement. C'est en plus une victoire méritée. Vous avez surclassé le Paris Saint-Germain, ami marseillais. Voilà, franchement, c'est inquiétant pour le Paris Saint-Germain, voilà, avec ce qui va arriver par la suite, notamment en Ligue des Champions. Pour Marseille, par contre, pour la Coupe de France, c'est tout droit. Il n'y a pas une seule équipe qui, pour moi, peut rivaliser avec l'Olympique de Marseille à ce niveau actuel. Ils sont beaucoup trop forts, vraiment, dans l'intensité, dans la mentalité, dans le collectif. Ils sont beaucoup trop forts. Igor Tudor a créé une machine de guerre. Alexis Sanchez, Rongier, Veretout, Guendouzi, Kolasinac. Il y a tout, en fait, toute l'équipe, globalement, toute l'équipe. Vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment beaucoup trop fort. Vraiment beaucoup trop fort. Et je pense que si Tudor reste, il peut se passer de grosses dingueries par la suite du côté de Marseille. En plus, avec l'arrivée de joueurs, etc., qui va se confirmer au fur et à mesure des saisons. Mais franchement, vous tenez un joyau. Voilà, ça s'est vu vraiment sur le terrain. C'était vraiment des guerriers. Voilà, le Paris Saint-Germain a eu 3 occasions. Un but hors-jeu et un poteau de Neymar. Sinon, le reste, voilà. En plus, dans la mentalité, surtout des Parisiens, vraiment, tout était totalement décalé. Vous voyez un problème de mentalité, tu vois, dès la moindre faute, tu voyais que les mecs s'effondraient et tout, alors que les Marseillais, voilà, ça envoyait vraiment, c'était des chiens de guerre. Vraiment. Et pour en revenir à l'ambiance, franchement, le but de Malinovski, c'était une dinguerie. J'ai cru que le stade, il allait s'effondrer encore. De toute façon, il faut se dire juste que Marseille n'avait pas gagné depuis 11 ans chez eux, face au Paris Saint-Germain. Juste le fait de voir ça, c'est une dinguerie. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, ce petit vlog qui, je pense, va en ravir plus d'un. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter pour le référencement, forcément, et à vous abonner. Il y aura des vlogs qui arriveront par la suite. Il y a un petit vlog en National 2 avec une accréditation au bord du terrain qui arrive d'ici les prochains jours aussi. On va s'amuser aussi, ça va être très très sympa. En tout cas, moi je vous fais des bisous. C'était Drops. Ciao l'équipe. Could've gave you everything, but you lost me. Baby, please don't call me up, there's no need.